Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo qui sera je pense assez rapide mais je voulais vraiment vous présenter un petit produit que j'ai découvert et voilà, donc c'est un gommage en fait pour le corps et pour le visage. Il faut savoir que je ne me fais pas souvent des gommages en fait puisque j'ai la peau assez sensible. Voilà, et puis j'ai pas je pense besoin réellement de me faire des gommages, j'ai une peau enfin, à peu près normale on va dire. Mais de temps en temps, ça fait vraiment du bien à la peau. Et honnêtement, depuis que j'ai testé celui-là, je me dis que c'est vraiment dommage que je ne fasse pas des gommages plus souvent. Voilà, puisqu'effectivement, le grain de la peau après, enfin, ça est affiné, ça n'a rien à voir, on a la peau vachement plus lumineuse. Donc, je suis contente d'avoir renoué, on va dire, avec le gommage. Donc, je voulais vous présenter des gommages que j'ai trouvés. Je vous mettrai en barre d'infos le lien où vous pouvez aller les acheter pour celles et ceux que ça intéresse, puisque le gommage, les hommes peuvent aussi en faire, hein, parce que vous avez la peau en plus qui est souvent plus épaisse. Et donc, c'est assez bien. Je vois mon mari, il en fait de temps en temps, puisque je lui dis, allez, viens, on en fait un ensemble. Et voilà. Donc je ne vais pas vous faire la démonstration du gommage, etc. Enfin, tout le monde sait comment on fait un gommage. Hein. Il n'y a rien de, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais je voulais vraiment vous présenter ces produits que je ne connaissais pas du tout, en fait, et qui sont 100% naturels. Donc, ils ne sont pas labellisés, mais honnêtement, la composition est au top. Il n'y a rien à dire. Donc, j'en ai pris deux. Un au café et coco, donc la marque c'est Daisy, je pense, Coffee Scrub, Love Your Body, donc aimez votre corps, et le deuxième c'est Pure Café, donc ce n'est que du café. Bien sûr, il y a un mélange, hein, ce n'est pas que du café, sinon ça servira à rien d'aller acheter, bien entendu, ce genre de produit. Vous achetez du café, enfin voilà, et vous le faites à la maison. Alors, effectivement, vous pouvez le faire par vous-même à la maison, vous pouvez préparer votre mélange avec le café, les huiles, etc. Faut savoir quand même qu'il y a pas mal d'huile, de mélange d'huile à l'intérieur en fait. Donc, si vous devez acheter toutes les huiles, etc., effectivement, vous en aurez pour un certain coût. Et le temps de préparer, des fois, on a la flemme. Là, c'est du vite prêt. On a juste à prendre, faire le soin et terminer. Alors, pour le prix, c'est 18 euros le paquet de 200 grammes. Je pense qu'avec ça, vous en avez pour un petit moment. Moi, honnêtement, je ne fais pas de gommage corporel. Je ne fais des gommages qu'au niveau du visage. Puisque j'ai pas mal de grains de beauté quand même sur le corps et j'ai pas trop envie de, enfin voilà, de les abîmer. Et puis j'ai la peau douce de bébé, donc bon, voilà. Mais d'ailleurs, si je mens, puisque quand je l'ai fait sur le visage, j'en avais un peu sur la main, j'en ai fait sur les cuisses. Voilà, histoire de raffermir, on va dire, puisque le café est aussi un tonique. C'est très bon d'ailleurs, c'est stipulé. Il y a marqué, je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière, comme ça vous verrez exactement. Alors Daisy. Daisy, je ne sais pas comment il prononce. Gommage du visage et du corps donne à votre peau tout ce qu'elle a besoin pour être saine et splendide. L'avantage le plus grand est à l'intérieur de Daisy. Les ingrédients sont de haute qualité, 100% naturel. La combinaison de café et des autres ingrédients naturels soigneusement co-sélectionnés purifie votre peau des impuretés. Elle la nourrit, hydrate et l'affine. Elle a des effets bénéfiques sur les imperfections de la peau comme l'acné, les éruptions cutanées, la cellulite, vergétures, petites veines, l'eczéma, psoriasis, etc. Franchement, bon, moi je n'ai pas de problème de peau. Vous pouvez voir, j'ai pas une peau, on va dire, trop pourrie. Voilà, donc je l'ai pris vraiment pour le gommage, le côté gommant. Je voulais vraiment les tester puisque j'avais eu pas mal d'évaluations positives. Alors oui, ça a un coût, c'est vrai, mais je vous dis, quand c'est des petits cadeaux, quand on ne sait pas trop, des fois on peut se faire offrir des petites choses comme ça, c'est vraiment sympa. En plus, c'est naturel. Alors, honnêtement, moi, alors c'est très simple d'utilisation. Il n'y a pas trop de, enfin voilà. Donc, vous vous mouillez pour le visage, pour le corps, c'est la même technique en fait. Hein, mais pour le visage, moi, je vais procéder comme il y a marqué sur l'emballage en fait. Donc, je me suis mouillé le visage. Ensuite, j'ai pris une petite noix de produit. Je me suis bien masser partout, 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 en fait, en évitant bien sûr les yeux, ce qui est logique hein, quand même. Voilà, avec ce qui me restait sur les mains, je vous dis, je me suis massé les cuisses avec. Et il faut laisser poser environ 5 minutes et après vous rincez. Et quand vous rincez, c'est là où vous vous dites, waouh, ce masque est génial, honnêtement, mais celles qui auraient 18 euros à perdre, allez les perdre. Vous allez ne pas être déçus. C'est un. Vous avez la peau, mais après, mais extrêmement douce. C'est hyper agréable. Et vous avez une espèce d'odeur de café coco mélangé qui sont, mais à tomber par terre. C'est vraiment, voilà, à tomber par terre. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, comme vous voyez à l'intérieur, c'est du café mélangé avec des huiles, en fait, hein, tout simplement. Je vais en sortir un petit peu pour vous le montrer, mais pas beaucoup, puisque du coup, après, comme c'est des petits gringrins, ça va aller partout. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça.
Donc vous mettez, donc bien sûr, il faut mouiller la peau, hein, et vous partez, vous massez comme ça en fait, tout simplement. Donc c'est des grains qui sont assez fins, donc ça c'est très bien pour tout type de peau, on va dire, pour pas vous abîmer la peau. Et voilà, donc écoutez, je vous mettrai le lien de là où vous pouvez les acheter sous la barre d'infos pour ceux et celles que ça intéresse. Mais honnêtement, alors je ne sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que ça m'a aussi coloré un peu la peau, que ça m'a donné une bonne mine. Alors je ne sais pas si c'est le café qui fait ça, le fait de laisser poser 5 minutes ou pas. Je ne sais pas du tout si c'est ça ou pas, mais franchement, mais quand vous rincez après à l'eau, mais si vous voyez la peau douce que vous avez, du fait des huiles aussi et du gommage, hein, mais c'est un régal. Alors honnêtement, je ne sais pas si vous voyez ma peau qui est quand même super belle. J'ai le grain qui s'est. Enfin, vraiment, j'ai la peau qui s'est illuminée, on va dire. Je sais pas, j'ai un meilleur teint en fait. Donc, je suis mais ravie de cette trouvaille. Je voulais vraiment vous le présenter, mais vraiment, vraiment vous le faire connaître. Parce que moi, c'est un produit que je ne connaissais pas du tout en fait, ce gommage. Et j'en suis ravie. La poche est bien hermétique. Alors, il faut bien penser, bien entendu, à bien fermer pour pas que ça sèche à l'intérieur, hein, ce qui est logique. Mais je pense, moi, je vais en avoir pour un moment en plus. Hein, donc, c'est parfait. Je suis. Ravi, et je vous dis, ça vous laisse une odeur sur la peau, mais c'est un régal. Bref, voilà, donc je vous ai présenté un petit coup de cœur en fait du moment. J'espère que je vous aurai fait découvrir une chose que vous ne connaissez pas non plus. Du coup, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!